Donc nous allons effectuer le tronçon Granson en passant par le centre-ville, l'avenue des Remparts, rue Aldiman et ensuite monter sur Chezeau. Comme les voitures n'ont pas toujours l'habitude de diminuer ou de optimiser les trajets, on est obligé à regarder au vélo et puis surtout ce qu'il faut imposer, que les voitures soient obligées à optimiser les trajets et puis surtout l'objectif c'est de diminuer le nombre de voitures d'un facteur de 10. Les possesseurs de voitures, donc les voitures immatriculées, doivent diminuer d'un facteur de 10 et les trajets d'un facteur de 100 pour que ça soit optimal au niveau vélo. Ça, c'est l'objectif principal. Voilà. Merci et au revoir. L'objectif principal étant signalé, nous allons donc démarrer. Je vais te suivre là-bas. Voilà. Tu n'as pas le droit d'aller ce soir, on va prendre 5 fois pour le train. J'ai une monstre batterie, attention. Comment tu n'arrives pas à cet objectif? Tu es un facteur 100. Well. Ok. En effet. Thank you.
garage ici, c'est qu'on a la priorité porte. Ouais. Et le désavantage, c'est qu'il y a beaucoup trop loin. Alors ça, c'est peu de le dire. Donc on peut dire, finalement, c'est mieux avoir pas d'aménagement et avoir la priorité qu'un aménagement qui n'a pas la priorité. Ouais. D'accord. Ben ouais. On peut avoir la priorité, mais... On ne peut pas traverser. C'est bravo, ça. Bonjour la traversée. De nouveau ici une traversée délicate.
Ouais. Après, il faut aussi marquer. Impressionnant ce trafic, hein. Parce qu'ils vont à Lausanne. Ils tournent Cordet pour aller avenue des Bains à Lausanne. Thank you.
On y est, ouf. Jusque-là, oh, jusque là, ça va. Là, on est dans Chezon-Noël. Jusque devant le gymnase. Non, je peux parler moins vite, parce qu'après, je peux plus pédaler, il faut... Je